Hello, bonjour, je vais parler de Sophie Wessex, la nouvelle duchesse d'Édimbourg, et on va parler de la princesse Charlotte. On va parler de l'incident qui s'est produit lors du Trooping the Colour. Comme vous le savez, Trooping the Colour, c'est l'anniversaire officiel, le jour d'anniversaire officiel du roi Charles, du monarque anglais. Ce n'est pas son vrai anniversaire, mais son anniversaire public où on lui souhaite un bon anniversaire. En fait, alors que Sophie et Charlotte regardaient les festivités, elles étaient à la même fenêtre, à un certain moment, la petite... Charlotte a posé une question à Sophie et Sophie a réagi un peu brutalement, d'après les images. Moi, je vous parle de ce que j'ai vu sur les images qui ont été montrées. Et ça fait le tour d'Internet, les gens ont commencé à parler, ils se demandent ce que Sophie disait. En fait, quand je regardais la vidéo avant même de lire les articles, parce qu'il y a plein d'articles qui sont sortis dans les journaux anglais, les tabloïds anglais, qui sont friands de ce genre de drama, ben, il m'a semblé qu'elle disait à la petite Charlotte « sit down », ça veut dire « assieds-toi », mais vraiment d'un ton ferme. N'est-ce pas? Ça se voit sur le regard, et quand vous regardez la réaction de la petite Charlotte, ben elle tourne la tête, voilà. Donc ce qui a amené les gens à discuter sur Internet, sur les médias sociaux, sur le pourquoi du comment, et si Sophie, vu son rang en tant que duchesse, avait le droit de réprimander une princesse. Sachant que Charlotte n'a que, je crois qu'elle a 9 ans, quelque chose comme ça, 8-9 ans, et que c'est une enfant, malgré son statut de princesse. Donc, c'était la conversation qu'on avait. Certains disaient qu'elle avait tout à fait le droit de réprimander Charlotte, d'autant plus que la petite Charlotte était près de la fenêtre, ce qui aurait pu être dangereux s'il était sur un tabouret, une chaise, quelque chose dans le genre, et qu'elle avait tout à fait le droit de la réprimander. Et certains disent que oui, tu as le droit de réprimander un enfant, même si elle a un statut plus élevé que le tien, mais il y a une façon de le faire sans être aussi autoritaire et aussi, comment dire, aussi ferme, d'après certains. Voilà. Qu'est-ce que moi j'en pense? Personnellement, j'en pense rien du tout. Tout ce que je dis, c'est que Kate Middleton ne va peut-être pas aimer que Sophie se soit adressée à sa fille de cette façon. C'est mon opinion, parce que il y a eu un incident entre Kate Middleton et Meghan Markle par rapport à la petite Charlotte. Et Meghan Markle n'avait même rien dit à Charlotte, mais elle avait fait un compliment à la fille d'une de ses amies lors des essayages des robes de mariée, et Kate Middleton a pris ça personnellement. Donc imaginez alors si vous vous adressez à son enfant d'une façon aussi, comment dire, on va dire impétueuse, hein, vu que Charlotte est une princesse et Sophie est une duchesse. En même temps, peut-être que vu la bonne entente qu'il y a entre Kate Middleton et Sophie Wessex, peut-être qu'elle ne dira rien et que ça passera. Mais en tout cas, c'est mon observation. Je ne sais pas si vous avez vu la scène, vous avez entendu parler de ce moment-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à discuter dans les commentaires et me faire savoir ce que vous en pensez. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.